Alors, les idiots utiles de l'immigration-invasion nous sortent généralement cet exemple tarte à la crème du bon samaritain, cette fameuse parabole du Christ où celui-ci nous donne l'exemple d'un samaritain, donc un hérétique aux yeux des hébreux de son époque, qui aide justement un hébreu, un juif, habitant de Jérusalem, qui se fait bastonner sur la route et est ignoré, méprisé par ses compatriotes, mais sauvé par ce samaritain, donc par cet hérétique à ses yeux. Alors que fait le bon samaritain? Eh bien, il le soigne dans une auberge, il l'apporte dans une auberge, il recouvre son corps d'onguents, et donc il le soigne de toutes ses blessures et le laisse là. Le bon samaritain est d'abord une figure du Christ qui nous soigne de nos péchés. C'est d'abord une santé spirituelle qu'il nous donne, et donc c'est aussi une métaphore. Mais même, rentrons dans le détail pratique de cette parabole, le bon samaritain ne ramène pas l'habitant de Jérusalem chez lui. Il ne l'invite pas à table, il ne l'invite pas à dormir chez lui dans la couche de sa fille, et au contraire, il le soigne et il le laisse repartir chez lui. Le bon samaritain est charitable, il n'est pas immigrationniste.